1-4 à vaisseau de ravitaillement. Vous m'écoutez les gars? Transmission prioritaire de la patrouille de recherche. Confirmez votre position. Salut. Recevez. Je répète, ici 1-4-1-4, vous recevez. Mais où ils sont, mon Dieu? Vous avez deux nouveaux messages. Oh, Zod, c'est notre gros compte de général. Premier message. Bon, écoutez-moi, tas de gros lard. Où est ma foutue livraison? Elle devrait déjà être là depuis une heure. Ouais, c'est ça. Second message. Si jamais j'apprends que vous avez encore bulé tranquillement, je vais vous botter les fesses, bande de salopards. Oh, il a l'air furax. Ah oui, mais c'est vrai qu'on aurait dû être là-bas depuis une heure. Oh là là là. Ok, ok, tout va bien, tout va très bien. Vous bilez pas. On reprend la mission. Entre les coordonnées et on dégage d'ici. Thank you.
jeu de gros bâtards. Incroyable de puissance. Incroyable. Bonjour, bonsoir les gens, comment on va? Évidemment, bienvenue. Bonsoir. C'est l'individu. Dieu le veut. Ah oui, mais non. Que trépasse oui. Si je faiblis. Ah oui. Si. Bienvenue évidemment sur cette première partie du coup de Silent Bomber, 159e jeu du marathon le plus intrépide du rétro gaming francophone. Un marathon que le monde entier nous envie, l'univers même, cet univers-là et celui juste à côté. Les autres, je sais pas trop, peut-être que je me renseigne. Allez, Silent Bomber, version française normalement, si tout se passe bien. On va voir ça de suite. Salut Igbe, salut Lupaka, salut Amanoliu, salut Nox, salut Zentradic, salut le Pro du Zombie, salut les gens qui arrivent évidemment, bonjour, bonsoir. Pas de son ? C'est pas clair. La première fois que tu vois le début d'un jeu, t'as raison. C'est le mieux. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Ce que moi, ce que je préfère, c'est la première demi-heure d'un jeu. C'est vraiment un kiff de ouf, quoi. Il y a 7 ans, j'ai perdu mon âme sur un champ de bataille. Franchement, on dirait Christine and the Queen avec la virilité des bébés brunes. Ça ressemble à rien. Je n'ai plus rien d'un homme à présent. Je suis devenu une machine à tuer. Si t'as, tant soit peu, quelque chose à voir avec les bébés brunes, tu risques pas de blesser qui que ce soit. Ça a l'air chelou comme jeu. C'est quoi? C'est un genre de contrat ou quoi? Nous ne sommes que des pions dans une partie d'échecs qui déterminera l'avenir de l'humanité. Difficile de deviner quel joueur parviendra à mettre le destin en échec. Ok. Ah, le timer, c'est important. Timer! Alors, charger, arène virtuelle, la nouvelle partie, options, on va regarder les options, configuration, poser une bombe, détonateur, noyau de charge, sauter, noyau gauche, noyau droite. On va voir, hein. Ça a l'air très bizarre comme... Mettre un peu de son, non? Ça me semble... Yes. Sous-titres, oui. Ok. Un bon souvenir à cause d'un niveau merdique. Ça marche très bien. Salut à toi, bonjour, bonsoir. Bon, on va voir s'il faut, je vais galérer comme un... Comme un pot de pu. On va voir.
rien n'est moins sûr. Tuto, intro, tuto. Commencer par le tuto. Voir un petit peu ce que nous réserve ce jeu incroyable. À l'époque, le champ de bataille représentait toute ma vie. Et la voix. La voix qui me donnait des ordres était la seule vérité en laquelle je croyais. Effrayant. Sloane. Réponds, Sloane. Ici Sloane. J'attends vos instructions. Bien. Ta première bataille sera décisive pour ton avenir. Accomplis cette mission et prouve-moi que ton entraînement a servi à quelque chose. Je ferai de mon mieux. Ah, c'est tutoise là ? Ah, je peux jouer avec... Ok. Ouais, pour l'instant c'est plutôt jouable en vrai. Ok, commence par éliminer tous les obstacles qui empêchent à nos escadrons d'intervenir. Place une bombe sur la zone indiquée. Bien, éloigne-toi de la zone de portée de l'explosion. Bon travail. Le coquillette. Comment va ? Bonjour, bonsoir. D'accord. Je peux tout faire péter ou pas ? Non, je peux pas. Enfin, c'est le tuto, tu me diras. Cette fois, utilise une pile de bombes pour faire sauter cet obstacle. Ouais, ça va nickel, coquillette, merci beaucoup. Accumule plusieurs charges afin d'augmenter la puissance de l'explosion. Je suis d'accord. Appuie deux fois de suite sur le bouton. D'accord. Le cercle représente la zone qui sera affectée par l'explosion. Ok. Je peux faire péter cette merde. Alors... Tout à l'heure, j'ai ma PS Vita qui s'est désynchronisée de la PS4, et du coup, je pouvais plus jouer à Monster Hunter, et du coup, j'ai perdu une vie, j'ai dégoûté. Une s'approche de ta position. Nous avons largué de l'équipement dans les parages avant ton arrivée. Détruis ce conteneur et récupère l'unité de verrouillage. Le personnage, il bougeait plus, je t'ai dégoûté. Ennemi repéré. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer le principe du verrouillage. Garde enfoncé le bouton permettant de placer des explosifs. Oriente. Eh, franchement, les mecs, heureusement. Ne relâche pas le bouton, garde-le enfoncé. Heureusement, qu'il y a les sous-titres parce que putain. Maintenant, relâche le bouton. D'accord. Avec ta Vita. Ouais, parce que tu peux jouer à la PS4 avec la PS Vita. Quand ta femme et ton fils regardent une série, par exemple, sur... Non, en plus, normalement, ces ennemis-là, je fais... Enfin, c'est trop facile, en fait. Yo, Dynasty, comment on va ? Dynasty Build, bonjour, bonsoir, bienvenue. Des explosions je vois ce jeu, parce que contrairement à Dynasty, j'ai kiffé ma vie. Cool. À côté de ta jauge de santé. L'icône du napalm est sélectionnée. Ah bah... Appuie sur Attends. Le bouton pour l'essayer. Attends. Pour le. Comment t'expliquer ? En gros, ta PS Vita te sert juste de deuxième écran. Donc, si t'en fait, faut quand même avoir une très très bonne connexion internet ou avoir un truc qui te permet de. Que ça passe directement par le modem et directement sur la PS Vita. Mais en gros, en fait, tu. L'écran de ta PS Vita remplace l'écran de télé et les boutons remplacent la manette. C'est du jeu à distance, quoi. Du coup, bah, visuellement, si t'as une bonne connexion, t'es en 1080p, sans souci. Sinon, des fois, bah, t'as l'image qui saute et c'est de temps en temps, moi, ça m'arrive que ce soit un peu chiant. Mais sinon, tu comptes refaire du PSO1 de ouf ? Oui. Je sais pas quand, mais oui. Ok, ça suffit. Lorsque tu disposeras de plusieurs types de noyaux, tu pourras basculer de l'un à l'autre grâce au bouton de sélection d'objets. Les noyaux ne sont disponibles qu'en quantité limitée. D'accord. Débrouille-toi pour éliminer cet obstacle par tes propres moyens. Moi, je dirais là. Non ?
crois que j'ai pas aimé. Je crois que j'ai pas aimé ce que je viens de faire. Nous avons repéré. Yo Bob, comment on va? Bonjour, bonsoir. Ce sera moins facile cette fois. Si tu appuies deux fois de suite sur le bouton de saut, tu passeras en mode flash. Sers-toi de ces techniques pour esquiver leurs attaques. Compris. Ok, alors c'est pas clair mais ça va. D'accord, une fois qu'il est locké, tant que je suis pas loin, il reste locké. Ouh. Voilà, bim les gars, boum. Ces bruits de pas absolument pas stressants. Oh, ce qui m'a mis! Oh, attends, bouge pas, attends. Je sais même pas pourquoi je me fais chier. Reste là! Alors, viens là! Viens là, Golemon! Du coup, je sais pas si t'as vu Dynasty Beat, mais il y a aussi PSO2 sur Xbox One maintenant gratos. Faudra que je m'y mette aussi. Faudra que je m'y mette. Mais là, je suis à fond dans le marathon. Quand j'aurai un petit peu marre, je voudrais faire une pause. Je pense que je me ferai une petite semaine ou deux de stream PSO1, PSO2. Il craint pas le feu, on est d'accord? Et boum! Bon, j'imagine que le jeu, ça va être que ça. À quoi sert cet endroit? J'ai réellement fait du endgame de PS1. Ah ouais? Forteresse ennemie, réduis-la en cendres. D'accord. Compris. Oh, ça a l'air chaud, non? Faut que j'apprenne à jouer vite et ça, je sais pas si je vais y arriver. Ça va être chaud de ouf, ça. Il a vu une voix qui parle à voix de Kevin. T'avais peut-être pas la voix, la version FR. Je croyais qu'il y avait des soldats là-dedans. Ah, peut-être là c'est le tuto et t'es jeune. Après on va le jouer vieux et con. Attends, physiquement il est entre Christine and the Queen et les bébés brunes quoi. Exécute les ordres qu'on t'a donnés. C'est vrai que Tanning fonctionne chez toi. Ouais mais il fonctionne chez tout le monde, il marche trop bien. N'hésite pas déjà à te faire un petit peu de solo pour faire du level quoi. T'as largement de quoi à faire. Ne discute pas. Bien, commandant. Très l'air dégoûté quoi. Il y a un level à pas dépasser, non? T'as juste level max 200. Tu peux pas aller au-delà de 200. Mais le temps que t'arrives level 200, pour moi t'as le temps. Même moi, je suis jamais arrivé level 200 et j'ai joué. J'ai un pote qui arrive à level 200. Pour jouer en coop, non, tu peux jouer avec un mec niveau 1, c'était niveau 200. Ah, c'est Christine and the Queen, mélangée à bébé brune. Charisme d'un bulot. C'est chaud, les mecs. Tu m'entends? T'as activé le pilote automatique? Oui. Alors descends dans le module d'atterrissage. J'essaie d'oublier mon cauchemar en combattant toujours plus. C'est la seule chose que je sais faire. Ça va le son?
Oh la synchro labiale est plus la merde. Hein. Les codes qu'on a récupérés devraient permettre de franchir leur sécurité. Ensuite, ce sera à vous six de jouer. Si on s'est pas fait éclater la tête avant, nos codes vont fonctionner. Vaudrait mieux. Nos vies en dépendent. L'armée aurait pas mieux fait d'envoyer deux ou trois croiseurs plutôt que nous. Qu'est-ce t'en penses, Sloane? J'ai reçu un ordre. J'ai une cible à détruire. Fin de la discussion, Tom. Tu ne penses vraiment... Voilà, il voit un peu plus vénère quand même. Ouais, avoir un petit décalage peut-être avec la voix. J'y pense là que je veux une cinématique, mais il n'y a pas eu de cinématique de fin sur Jet Cocoon. En fait, Jet Cocoon, t'as une cinématique d'intro de jeu et puis terminé quoi. Enfin, t'as eu quelques cinématiques, mais c'est juste des plans fixes, tu vois, le truc, du travelling. C'était pas la cinématique de grande qualité qu'il y avait vraiment avec le crayonné. Enfin, bref. Ça a l'air pas mal quand même, mais je pense que je vais galérer sur ce jeu. Pro. Tout explosé, y'a plus rien quoi. Il reste une cabine de sauvetage. Oh, ça joue ou pas là? C'est ultra action vénère, ça a l'air, ouais. Yo Tango, comment va? Bonjour, bonsoir. Ça a l'air ultra vénère, ouais. Ouais, si, c'est une espèce de contrat. Sauf que, malheureusement, en termes d'équipement, ça a pas l'air aussi vénère, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait des mitrailleuses, des trucs comme ça. Sloane, tu m'entends? Je sais pas comment on sauvegarde, par contre. Mon unité M est intacte. Ça va, nickel, Tango, merci. Ouais, j'ai fini Jet Cocoon, Tango. J'ai fini Jade Cocoon. Bien reçu. Faut regagner, les mecs, hein, c'est important. Le raid a échoué. À chaque nouveau tir de canon A1, nos modules d'atterrissage est réduit en poussière. Il faut les arrêter avant. Faut arrêter ça avant que tout le monde y passe. Détruisez la batterie antiaérienne. Les modules E te permettent d'améliorer ton unité M. Tu dois en trouver le plus possible. Détruis cette boîte et récupère le module E. Je pense que ça a l'air cool. Ok. Ok. Doucement. Il y a des cibles à proximité. La cible devrait être visible par un marqueur. Ah, mais je peux quand même tirer en fait à vue. Voilà, d'accord. Genre même si d'accord, ça c'est cool. Voilà. Je peux quand même viser au jugé. Ça c'est cool. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal.
Je teste des trucs, on va voir ce que ça donne. Ah, des fois je crame. Ah ouais, c'est bon ça, charge ionique. Seulement ça a l'air de... Ouais. Yo Musica, comment va? Bonjour, bonsoir. Ah là, ça pète Gaillard en plus. Ça pète Gaillard, c'est pas mal hein. C'est tonique, j'aime bien. Je comprends pas trop ma vie, mais ça me va. Ouh, je fais le con. Je fais le con. J'y vais comme un ouf, quoi. Ils ok. Il y a du score en tout cas. Cible 5 sur. Je ne sais pas combien. 11. Très bien. Non, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Évidemment, ça demande plus d'engagement qu'un jet de coucou. On fait ce que je m'emmerde. Voilà, cible. Salut Silk. Salut à toi, bonjour, bonsoir et bienvenue évidemment sur le marathon le plus intrépide du rétro gaming francophone, hein, évidemment. On va qu'il dit, c'était les 7 poches. Très très bel article, vraiment. Qui m'a coûté une petite fortune, mais très bel article quand même. Ouais, pas mal, et pas mal. C'était quoi le temps estimé du jeu? 5 heures, je crois, un truc comme ça. 4 ou 5 heures, on va voir. Moi, je pense que je vais mettre 250 heures. Mais on va le faire. Je vais m'en occuper. Mettez-vous à l'abri. Ouais, j'ai pas besoin d'attendre. Ah, je peux tirer plusieurs fois. Tu vois? J'ai pas besoin d'être trop près, après, c'est au jugé. Ça va être chaud de ouf. Sinon, oh le con. Tiens. Enfoiré, tiens, mange ça là un petit peu. Yes. Voilà. Il faut bien que je pense à faire double saut là, espèce d'esquive de ouf. Yes. Raté. Et une foule en délire lui lançait des bigorneaux. Éliminé. Je n'arrive pas à joindre Geldon. Il t'a donné de ses nouvelles? Non. Bizarre. Bon, il faut continuer la mission. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai un peu de mal avec les contrôles, mais c'est cool. Bye.
je regarde ça, tout ça, ça, ça a l'air assez rigolo. Ah non, la sortie elle est là, d'accord. 70 mètres. Incroyable. Il y a un petit côté contrat, mais non. Du coup non. Rendez, c'est pas ouf. Les mecs qui ont fait Dragon Ball Kakarot récemment, ils ont fait ça, voilà, ouais. Bah, je pense que ça, c'est mieux quand même, non? Je m'en rends pas compte. Sauvegarder, hein, oui. C'est important. Ok. Soit 3 bombes, soit un bouclier, soit 10% de réduction du bouclier. 3 bombes, c'est bien pour les boss. D'accord. C'est les seuls trucs que j'ai en termes d'amélioration. D'accord. Bon, bah, on va voir. Mission 2. Et des boîtes de cacarottes, j'ai pas fait. Ça m'intéresse que très moyennement. Notre équipe était tout ce qu'il restait de l'unité d'assaut. Mais pouvions-nous nous réjouir d'être encore en vie? J'avais le sentiment que de nouveaux combats nous attendaient derrière ces portes imposantes. Éliminer l'ennemi et trouver un moyen d'entrer. Très bien. Après j'ai des bombes infinies, hein, c'est juste que je peux pas... voilà. Oh, j'ai tout pété moi. Ça vaut le coup que je perde mon temps. Ah mais je peux les toucher, je ne suis sensible qu'au tir reblazer. Module de données. Fais de la merde. J'apprenne à maîtriser le gameplay. Cet apéro impeccable. Donc. Et du coup, on a fait apéro dînatoire. J'ai fait des petits croque-monsieur, des mini quiches Lorraine, des frites, des conneries, quoi, des tartines de rillettes. Je me suis. Régalé? Ouais. Ah, on a mangé pépère. En fait, c'est une espèce de Bomberman sous acide. Oh, ce qui m'a mis! Yes! Tu viens de signer ton arrêt de mort! Tu vas connaître la souffrance! Franchement, non! Je t'ai démonté. Attends, il y avait de la vie là, bouge pas. Non? On peut pas bouger la caméra quoi, quelle tristesse! Merde, il y avait de la vie à un moment donné! Même la cinématique me montrait la vie. Allez, on se casse. Je détecte une signature énergétique très importante devant moi. Il va tirer. Dégagez de là. C'est. J'ai marqué un C, je ne sais pas pourquoi.
Oh, il me pousse. C'est chaud. Et boum! En fait, il faut y aller comme un porc. Faut y aller comme un porc, quoi. Lieutenant, répondez. Bon, en fait, je pense que je vais mettre tous mes points dans les bombes. Ça, j'en balance par paquet de 10. Rien à foutre. Y'a rien d'autre? Ouais, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Coucou, Sloan. Doublage VF, les mecs. Dis donc, t'es vraiment impressionnant quand tu t'y mets. Le combat, c'est vraiment ton truc. Où tu veux en venir? Moi? Oh, je constate les faits, c'est tout. À plus tard. Sympa. Sympa. Ok. Et on ah, plus court l'émission, quoi. On marque, c'est bien, ça sauvegarde, on enchaîne. On galère pas trop, ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Cool. Cool. Rancé, mieux. Mieux. Plus, meilleur. Bon, je suis pas sûr de trouver une unité de machin, de je sais pas quoi, là. Ah si, je suis à 2. Là c'est 4 après pour augmenter. Et 3 sinon pour la portée. Puissance du champ défensif. Ah c'est vrai que la défense c'est pas mal aussi. On verra, on verra. Déjà faut que j'en trouve, ce qui est pas gagné. Mission suivante. Quoi? Les groupes d'assaut d'Ornette ont infiltré le vaisseau? Très bien. Pas mal de cinématiques et tout. Éliminer les intrus immédiatement. Pauvre fou, qu'espère-t-il pouvoir faire contre... Direction artistique est cool. Bon, lui, il est moche. Lui, il est très très moche. Mais les mecs casqués, là, ils sont pas mal du tout. Réponds, Sloan. Tu me reçois? Sloan! Le Kiliki, oui, bien. Bonjour, pas bonsoir. Gueuler, long time no see, buddy. Tu censé m'appeler plus tôt. Non mais attends, t'es pas tout seul dans cette histoire. Notre vaisseau tombe en morceaux et toi tu sais. J'en ai rien à faire de tes problèmes, je veux un compte rendu de la situation. Ouais, nickel. Nickel, écoute, seul je te remercie. Notre groupe d'assaut a survécu à l'attaque. Je ne sais pas ce qu'est devenu Geldon. Tom et Hawk réparent le module d'atterrissage. Sheldon, capitaine câble. Et Angela et moi, on essaie d'infiltrer leur système informatique. Vous n'arriverez à rien si je ne les occupe pas pendant un petit moment. Je vais essayer de créer une diversion. Bah tiens. Yo Lucard, comment on va? Ok. Wendy va avoir besoin d'une diversion si elle veut réussir à infiltrer leur système. J'ai essayé de m'attaquer au complexe de distribution d'énergie du vaisseau. Détruisez tous les condensateurs, allez, c'est parti. La centrale énergétique est juste à côté. Ah merde! Ils sont où, c'est con? Voilà, boum! Oui! Ouais, une direction artistique, Michael Bay, évidemment. Évidemment. Oh oui. Wow. Je sais pas comment on change de... Je sais pas si c'est possible.
de pouvoir changer de cible. En fait, une fois que j'ai mis une bombe sur un nul, hop, je peux remettre une bombe sur un autre nul, etc. Merci infiniment pour l'host, Ratchet. Désolé à toi, merci beaucoup. Oh, c'est presque un beat'em up. Il est trop bien ce jeu en vrai, c'est un truc de ouf. Comment Silent et Bomber peuvent aller ensemble? Ouais, surtout que là y a rien de... Enfin c'est quand même peu silencieux, on est d'accord. C'est un Bomberman complètement sous acide. Voilà. Voilà ce que donnerait un Bomberman cocaïnoman, tu vois. Ou du moins qui prend des stimulants. Des stimulants beaucoup trop solides pour lui. Ah, je peux poser 4 bombes du coup. Voilà, moi c'est exactement ce que je veux. Franchement mais c'est l'éclat de ouf, j'adore. Il est trop bien ce jeu. Ce jeu, il est trop bien. Il est trop bien ce jeu, les mecs. Il y a des modules. Nickel, on se casse. Détruis tous les condensateurs. Bon, un coup. Le jeu va être super. Ouais, il est cool. Franchement, ouais, téléchargez-le, testez-le. C'est gros délire. C'est très très bon délire. Alors moi, j'ai une préférence pour poser les bombes et tenter des trucs, mais... Bon, c'est vrai que viser, c'est bien aussi. Alors, il doit y avoir moyen de viser. Et de changer de vue. Ah, voilà. Et je peux rechanger après. Si je retouche. Du coup ça fait ça. Très bien. Oui. Yoloïc. Comment reva? Comment ça reva bien? Merde, je fous de la merde. Ah d'accord. On peut s'accrocher, putain mais c'est énorme. Il se passe des trucs mon gars. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire comment, une espèce de Metal Gear Solid 0 où tu pourrais incarner comment, le ninja. F, ou tu sors ou je te sauve et voilà, prendre une décision. Swift Rage sans explosion. Merci infiniment Kilikui pour les 300 bits, merci beaucoup, très très apprécié. Ouais. C'est beau ça. Bon. Oh, comment je l'ai rincé le truc. Ouais, le début de ce jeu il est cool. Franchement, c'est nerveux et tout. Il y a commencé à voir certaines petites subtilités de gameplay qui me plaisent énormément. Yo, Mr. Saster, comment va? Bonjour, bonsoir. How are you, my friend? Bien ou quoi? Je peux en faire 5 maintenant. Je suis la version pâle, ouais. La version pâle FR. Pourquoi?
Tu vas me dire qu'il y a un souci, putain, ça craint si c'est le cas. Si c'est le cras, si c'est le cas, ça craint. C'est dommage. Parce que la VF, elle est énorme. Et quel bâtard. Quel bâtard. Je crois que c'est même pas vrai, c'est juste pour me vénère. Je te déteste. Il fallait que je te le dise, hein, c'est important. Je te déteste. Oh, je pense qu'il se fout de ma gueule. Bah, je sais pas, moi j'ai pas eu vent de ça. Si je veux, c'est possible. Et vu qu'on m'a rien dit. Oh, merde, je crame. Il plante à la fin du niveau 11. Ok, bon, on verra. C'est bon ça, ok. Ah, du coup, tu l'as fait ce jeu là alors? T'as kiffé ou pas? Franchement, je le trouve vraiment top. Faut aussi la cinématique d'apparition du boss et après ça marche. Ok, bon, pire, je relancerai et puis je ferai ça. Yes, merci, merci pour l'info, Saster. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Alors, je vais m'enseigner sur le jeu. Parce que, bon, j'ai eu l'idée, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça même, c'est pas ça du tout. Mais je me dis, franchement, vu le délire, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de, voilà, de choper les droits du ninja de Metal Gear. Ils ont dit, oh, allez, on va se faire un kiff. Mais ouais, il est cool après. Vraiment cool. Ah merde, faut faire gaffe. Forcément. Il a pas l'air trop dur. Il a pas l'air trop dur, donc ça c'est plutôt cool. Hop, un module. Ah, je peux déjà balancer 5 bombes, donc c'est plutôt sympa. Bon, j'imagine que le mieux c'est quand même d'avoir du bouclier. Mais bon, j'aime bien poser des bombes de partout, ça. Et voilà, bim! Dans ton fion. Oui, le titre Silent Bomber, je m'attendais à autre chose, ouais. Mais bon, du coup, c'est marrant. Je crois que c'est lui qui avait pété. Mais non, c'est le truc derrière qui a pété. Et qu'il est pas très silencieux, hein, mais bon. Écoute, il essaye. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire semblant au moins, essayer de lui faire confiance, dire bon, allez, peut-être. Allez. On le tente. Faut essayer, quoi. Tu joues à quoi, toi, en ce moment, Saster? Saster. What are you playing? What are you thinking? Attends, j'ai plein de bombes. Je vais les garder. J'en ai pas besoin. Yorelive bien. Je vais m'y remettre un jour. Pas fait la fin. Quel long. Oh, c'est quoi ce bordel? Ah oui, d'accord. Attendez que je sorte. Hein. 10 000 jeux en cours. Non, mais là, je fais là en ce moment. Il y a un jeu que tu sors. Pas forcément stream, hein. C'est juste. Je sais pas en ce qu'il y a en ce moment, j'aime bien savoir à quoi jouent les gens. Je regarde, non, y'a rien d'autre. Thank you.
RE3, d'accord, ouais, beaucoup, tout le monde RE3. Darkest Dungeon, très 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 bon Darkest Dungeon. C'est le filter le premier, hein. Yakuza, ah oui, c'est vrai que j'avais vu sur Yakuza, ouais. Les Yakuza. Et t'as fait le Kiwami 2, enfin le 1 et 2 remaster, quoi. The Darkness sur PS3. Kill me. Your power. Run. Get away from the light. Tu sais qui c'est qui fait la voix de du symbiote de The Darkness? Est-ce que tu sais qui fait la voix du putain de symbiote de The Darkness? Ouais, mais les Kiwami sont cool en fait, ça, c'est pour ça. Le, pour moi, le meilleur vocaliste de l'univers. Mike fucking Patton. Mike Patton, le chanteur de Face No More, entre autres, hein, Fantomas, Mr. Bungle, Mando Kane. Le vocaliste le plus incroyable de l'univers. Il est trop fort, il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est abusé. Et c'est lui qui fait la voix de The Darkness, justement. C'est un pied de ouf. C'est trop bon à entendre, quoi. J'étais pas loin, Jean-Michel Jarre, c'est de la merde. 6 bombes. Ça me va. Ça me va, 6 bombes. Sauvegarder. Moi, je kiffe. Hein. Ce que fait Mike Patton, j'adore. C'est une horreur. Je suis fangirl. Fangirl. L'adversaire les plus dangereux sont les Archers. Après avoir consulté les plans du vaisseau, Wendy... s'appelle Wendy. Je me disais qu'il y avait un petit côté Peter Pan avec le héros. J'étais pas sûr, hein. J'étais pas sûr, mais je sentais le petit côté Peter Pan. Il dit qu'en touchant des lasers. Non, mais c'est celui qui mélange les deux, ça oui. Wendy a trouvé où ils étaient stockés, donc. Si j'attaque tout de suite, je devrais pouvoir en détruire un maximum avant qu'il ne puisse être. Avant qu'il ne puisse être. Suspense. Détruisez tous les hard shells. Activez. Voilà. Ah putain, ça valait le coup de faire une deuxième page, tiens. Ces hard shells sont en train d'être réparés. Détruis-les au plus vite. Détruis-les au plus vite. Ils sont fonctionnels. Facile. C'est une embuscade. Oh, comme au carrefour de Kazakhdoun, no problemo. Bon, bah j'ai plus vraiment de choix. Ça les bute ou pas? Ouais, bah c'est bon. Ça les bute ça aussi, yes. D'accord, oui. Tant qu'ils sont dans le champ de l'explosion, ils ok. Faut que je regarde les charges machin s'il faut que je les utilise ou quoi. J'imagine après quand t'as le. Quand t'es méga level, méga high level, ça va être du grand n'importe quoi. Yo tonton Blédos, comment on va? Bonjour, bonsoir. What up? Man. Ah oui, faut que je martèle croix. Enfin, faut que je fasse deux fois croix rapidement, sinon il le fait pas. Oh. Oh, ce qui m'a mis ce con. Thank you.
Ok, ça le fait péter ça. C'est... ça va pas. Je suis plein. Putain, je fais de la merde, ça rend fou. Hier, t'as pété un plomb, qu'est-ce que t'as fait? C'est bientôt ton anniversaire, gros. C'est pas ton anniversaire à minuit une. Je finirai le stream à minuit une pour la peine. Enfin, je pousserai si jamais. Je dois finir plus tôt. Je pousse jusqu'à minuit une, je te mets bien. Un petit peu de santé. Enfin, je pense à booster un petit peu ma santé quand même. J'ai pété les plombs. Oh, ce jeu, il est trop bien. Ce jeu, il est vraiment cool. Il n'y a pas de suite en plus, je suis sûr. Je suis sûr que ce jeu n'a pas de. Voilà, il n'y a pas eu de suite. Oh, ce qui m'a mis. Oh, le con. Oh, je les ai fumés. Mais j'ai plus de vie. On lui saster, désolé. Je viens de me faire ouvrir le cul. Putain, c'est chaud. Ça marche, saster, des bisous à toi. J'ai soirée MNT, mais... oui, je comprenais pas, mais c'est pas grave. T'inquiète, no susai. Yo, Captain Poom. Voulez-vous continuer? Bah oui. Bien reçu. J'y retourne. Vas-y, ils sont en train de se faire ouvrir le boule par le virus. Ouais. Ah, je rate pas trop. C'est des trucs. Ça fouille. Tu sais, ça... c'est genre le truc qui te file le cafard gratuitement. Ouais, tu sais que tu peux rien y faire. On fait no, résultat dans son poids 400 000. Ouais, c'est... ouais, non, je veux pas. Le truc, ça te fout le moral dans les godasses, quoi. Laissez-moi tranquille. C'est bon, c'est pété ça. Allez, impec. Levons nos gazmer. Levez vos gazmer. Non, non. Juste faites ce que vous avez à faire. Faites-le bien. Puis essayez de penser à autre chose. C'est super important. Penser à autre chose, ça veut pas dire oublier et se comporter comme un véritable sac à merde. Putain! Ça rend ouf quoi! Que nous aussi on a un gros sac à merde hein, en chef d'état.
coup, c'est quand même une grosse merde. C'est chaud. Hein. Moins con, non. Non, pas moins con. Non, c'est une grosse tanche. Il aurait pu faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux que ça. Et voilà. Ils nous ont retrouvés. On a besoin d'aide d'urgence. On est encerclés. Merde. C'est chaud. La caméra, j'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus haute. Ce serait vraiment le top. Putain, c'est chaud de ouf. Ok. Et merde, mais c'est trop chaud, putain! C'est un truc de fou! Est-ce que ça va finir comme ça? Bah oui, ça va finir comme ça, c'est sûr. Ah putain. Action petit marine, ouais, mais vous avez... Ah, c'est ce que je te dis. Bien reçu. C'est ce que je te dis. J'y retourne. C'est le mec, il a fait en sorte qu'on se retrouve dans cette situation, tu vois. C'est trop beau pour être vrai, quoi. Il nous a trop mis dans la merde comme ça, parce que tu vois, t'as l'impression qu'il l'a fait exprès. C'est super chaud, quoi. J'en ai vu des sombres fils de pute dans ma vie, mais Macron, on fait partie des meilleurs. Vous êtes vraiment... Ma courte vie. Je peux le péter ça? Je peux le péter ça, c'est quoi? Apparemment je peux le péter. Je fais de la merde. On peut le péter ça aussi. Ok, attends, bougez pas, je vais tout péter moi. Je suis trop gentil. Voilà. Là j'ai tout pété, là y'a pas de problème. J'imagine que tu vas avoir un petit mode speedrun où tu cours, tu fais tout péter, ça marche tout aussi bien. Que
En fait, faut y aller comme un gros sournois, quoi. Ils peuvent pas monter, ces cons. Ah si. Ils mettent du temps, mais ils peuvent monter. Ils ok. Boris Johnson a chopé le virus. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Après, ce coup, on va se faire une joie du malheur des autres. Bon. Silent, faire le sournois. Ouais, ouais, ça va être ça. Faut se faire gauler à minima, peut-être. Oui, il y a des chances. Hein. He's ok. All, he's ok. Sinon, ça fonctionne pas. C'est moi qui dois poser le rythme en fait. Pourquoi je m'emmerde? Voilà. 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 Suivant. C'est speed, ouais. C'est speed. C'est pas ultra facile, ouais, clairement. Donc pour l'instant, ça marche. Ma technique à la con marche. Donc on va rester sur cette technique de faire péter les trucs du haut, avancer. Et puis ceux qui se prennent les impacts à côté, c'est parfait. Oh, ça va être chaud de ouf, ça va. Attends, s'il faut une technique, je suis en train de m'emmerder, alors s'il faut, je fais ça. Voilà. Et boum, mon gars! Patate de forain! Ok. Ouais, donc faut quand même utiliser de temps en temps les bombes. Les bombes spé, en fait, c'est pour les ennemis spé, je pense. C'est bon? Allez. Yes. Yes! Et une foule en délire lui lançait des bigorneaux. Bon, ben rendez. Hein. Bon, après, je me doute que je vais pas faire des miracles. Hein. Je fais un petit rototo. C'était pas ouf. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Pour toi qui m'envoie des mails. C'est toujours classe. C'est toujours classique, les petits messages hein, des potes. C'est toujours zizir. Ça fait zizir. Alors. Six bombes, c'est bien, même, tu vois, j'aurais dit 5 bombes. On va faire comme ça. Un peu de vie, j'avoue. j'avoue, un peu de vie, en vrai, c'est cool, quoi. Faisez pas les fous. Faisez pas les fous. Allez, mission 5 finie. Je sais pas combien de missions. Aucune idée. Mais... Alors Tom et les autres ont des problèmes alors qu'ils se dirigeaient vers le lanceur pour me rejoindre. L'ennemi leur est tombé dessus, ces imbéciles sont vraiment incapables de se débrouiller seuls. Comment ai-je pu me retrouver
avec eux. Repousser l'ennemi et protéger le module d'atterrissage. Tu joues à One, c'est-à-dire je joue à One. Heureusement qu'ils savent pas viser. Ah, quand même. Tom, tout va bien? Ah, est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Sloan, on a besoin d'aide! Coupe-toi! On m'a envoyé ici pour détruire ce vaisseau, pas pour sauver les incapables. Il y a des modules partout. Compris. Merde. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Tom, ouvre le sas. Je vais les retenir. Mais c'était Rachel. Non. Tu vas y rester. On va voir si j'ai rien oublié ici. Ouais, remarque. Non. Ok. Mon opération, j'ai pas pu la faire. J'ai pas pu la faire, mon opération. Mon opération. Malheureusement, pas pu la faire. Bah, parce qu'il y a des trucs plus importants. Il y a des trucs plus importants. Si mon merde, lui. Oh, shit. Oh, comment je t'ai niqué, c'était magique. Ouais, voilà. Voilà, toutes les trucs non importants sont reportés. C'est pareil, ça fait un moment que je peux pas aller au kiné, quoi. Je me démerde tout seul. Je fais ma demi-heure de sport tous les matins pour maintenir mon genou et compagnie. Mais... De toute façon, il est plus important, hein, là-dessus. Je peux passer ici, hein, cool. Donc j'attends. Putain, sa tête chercheuse cette merde. Ok, lui il est mort. Je sais pas trop ce que je dois faire, hein, mais on y va. Oh putain, mais je fais de la de mer, quoi. Alors ça on s'en fout, ça on s'en fout, ok. La tienne n'a pas été reportée. S'il faut, elle est pas reportée la mienne, mais j'ai pas eu de... En même temps, enfin, j'avais pas d'opération prévue. Fallait que je vois mon Shir une dernière fois après les séances pour justement mettre en place l'opération. Il y a partout des modules en fait, faut vraiment avoir l'œil. Faut vraiment avoir l'œil. J'ai une date pour revoir le Shir, mais je pense que c'est mort, quoi.
Je pense que cela est mort, n'est-ce pas? Allez, 50% de vie. C'est très bon ça. Voilà, la cam elle est bien. Là pour moi je trouve que la cam elle est au top. Il est avec moi lui ou pas? C'est pas clair. Ah, il faut que je protège cette merde. Faut pas le viser ce fils d'op. Le bouclier est descendu à 60%. Eh mais je peux pas le viser cet enculé. Passe quoi là? On va se barrer ce reboum. Foiré va. Yo Kings. Normalement le service te rappelait si c'est annulé ou quoi, enfin je sais pas. Des risques pour sauver ses coéquipiers, n'est-ce pas? J'ai exécuté mes ordres. N'empêche, malgré tes frontières, tu as quand même risqué ta vie pour nous sauver. Merci. Comment ça va Kings, bien? Tom, ah ils ont quand même... Dans quel état est le module? Il va me falloir un moment pour le réparer. En plus la peinture est rayée. Bon, peinture... il va falloir trouver un autre moyen de transport. Sloan, j'ouvre le sas derrière toi. Tu vas retourner à l'intérieur du vaisseau. Un petit module. Un dernier, choper un dernier module. Un dernier module, elle est pas belle la vie. Ouais, le matin, souvent j'y suis. Enfin, j'y suis, ouais. Je joue en fait. Je caste sur ma PS Vita le jeu pendant que mon fils ira dans chez Mishka parce que j'en peux plus de mâcher Mishka. J'ai le cerveau, il va exploser quoi. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Cinq bombes, une meilleure portée. Ça me va, on va sauvegarder. On va continuer hein. Franchement il est pas mal hein. Il est pas mal. Alors j'imagine que ça va être vite, voire même très vite répétitif. Mais je sais pas c'est quoi la durée de vie du jeu. Donc en vrai on va voir hein. On va voir. Prends Disney Plus hein, mon cul. Encore un truc à payer, c'est mort. Rechoupi. Mission suivante. Le convoyeur passe dans ah, la musique c'est toujours un peu la même quoi, c'est une espèce de technoisant. Bah, le temps moyen est de 5 heures donc on verra. Je pense qu'il y a moyen de le finir demain sûr. 12h j'ai beaucoup. 12h30 même. Je dois donc pouvoir m'en servir pour rejoindre plus rapidement. Sans voix, ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Il y a du challenge, mais c'est cool. Vous avez des nouvelles de Geldon? Non. J'essaie régulièrement de le joindre, mais il ne répond pas. T'es au courant de quelque chose? Non. Je vais grimper à bord du convoyeur. Ouais, ouais, Jet Cocoon est assez court hein, en vrai. C'est assez court. C'est
C'est pas trop ce spatial le jeu en fait, c'est pour ça. C'est, il veut essayer de raconter une histoire ou vraiment faire un RPG dense, etc. C'est censé me rassurer, vu ce que ça a donné la dernière fois. Quoi? Comment tu peux dire ça? T'es vraiment qu'un... Ok, je le reconnais. Nos codes étaient foireux et ils nous ont piégés. Mais tous les autres éléments de ma simulation se sont avérés exacts. Oh, bien sûr, ta simulation. Tu te crois meilleur que les autres à cause de ton expérience du combat? Ouais, ça fait très con, ouais. J'ai ma carte. Tu te sens fier parce que tu es capable de tuer des gens de sang-froid? Tu finis les jeux autour de niveau 20, 21. C'était un peu... Après, j'imagine que tu peux t'amuser, essayer de faire des trucs, récupérer des objets de ouf. Mais du coup, le boss de fin, tu dois le défoncer. Parce que déjà, niveau 20, 21, j'ai pas galéré. Pas plus que ça, un petit peu quoi, tu sentais que. Hein, sentais que c'était le boss de fin, mais. Enfin, c'est même pas, je sais pas. Je n'ai jamais connu autre chose. C'était pas des combats dantesques, épiques, quoi, c'était. Excuse-moi, Sloane. Sloane, dégage de là! Wendy! Après, tu as un bon lance enfin, d'accord. Je lui ai mis deux. Je lui ai mis deux en difficulté. La transmission a été coupée. Alors, j'ai perdu le contact avec Wendy et le convoyeur s'est arrêté. Notre transmission a dû être interceptée. Je me suis réfugié dans un conduit de maintenance. Trouver la sortie, du coup. M'a dit mon copain. Beaucoup, c'est assez difficile. D'accord. Ok. Merci de l'info. Sur quel jeu? Jade Cocoon. Le jeu qu'on a fait juste avant celui-là. Jade Cocoon. Alors, Sloane, ça va toujours? Gildon? J'ai l'impression qu'on a perdu le lieutenant. Bon, c'est pas bien grave. Ah, c'est un bomber, c'est bon délire. Capable de te détourner de ton objectif avec tous ces sorts. Allez, Sloane, lâche-moi un peu. Il est grand temps que tu comprennes qui tu es. Un module. Yes. Tu vois là, ça mériterait d'avoir une caméra plus, beaucoup plus haute. Jeu futuriste en vue de dessus. Ah, genre Loaded ou Reloaded ou Bedlam. Bedlam, il était claqué de ouf, Bedlam. Ah, c'est vif, hein, Loaded et Reloaded. Comment j'ai pris les dégâts là, c'est pas clair. En fait, faut enchaîner les trucs. Faut les enchaîner de ouf. Plus de vie. Franchement, c'est en date. Oh! Waouh, mais les dégâts de ouf que je prends, putain! Ta grand-mère! Ta grand-mère! Ça y est, je commence à parler mal, quoi. Il a trop nul en vrai, putain. Putain.
Putain, les dégâts de merde. Là, c'est... je vois rien, c'est chiant. Ça parle des grands-mamans. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me prend des fois. Ouah, c'était chaud à esquiver ça. Sa grand-mère, je sais pas pourquoi elle voit sa grand-mère tout le temps. Hein. Putain, je suis à chier, c'est un truc de ouf. Bien reçu, j'y retourne. Après ça va, tu reprends là, mais... Alors Stone, ça va toujours ? Eldon ? J'ai l'impression qu'il vaut... qu'on a perdu le lieutenant. C'est pas bien grave. Après tout, elle n'arrêtait pas de te détourner de ton objectif avec tous ses ordres. Allez Stone, attends un peu. Les grands temps de il est vraiment sympa. Par contre, là, il commence à être tonique. Il commence à être assez tonique, ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'y aille doucement. C'est très bizarre. Je te dis, vas-y doucement, là. Burning Rangers. J'ai vu tes jeux PS1 dans un sac là, t'avais mis les images. Ouais, ils sont plus, je les ai vus. Hein. Yes, yes, je les ai vus. Je les ai vus, t'inquiète. Je vais d'avancer tout doucement. Burning Rangers. Ok. Putain, je fais de la merde, ça rend fou. Caméra un tout petit peu plus haute, ce serait le top. Parce qu'à mon avis, c'est un bon jeu, et du coup, un bon jeu en appelle un autre. Quoi. Tout simplement. Pas pourquoi, mais ça me rend fou. Ouais, ils vont venir éteindre ça. En fait, ça c'est la préquelle à Burning Rangers, évidemment. Putain, je perds de la vie de manière tellement chiante, quoi. Je déteste ça. En vrai, j'aurais une meilleure vue. Ce serait le top. Putain, ce serait super fun. Et là, du fait que bah, tu vois rien, il faut un petit peu anticiper les trucs et tout, ça rend le truc ultra frustrant. Mauvais point pour ma part. Ah, par contre, je me balade. Ah, j'en viens. J'en viens, j'ai fait le tour quelque part. C'est une préquelle, c'est ça, c'est Burning Ranger Zero en fait. Tout s'explique. Pardon. Je peux le péter ça ou pas ? Yo Maza, comment on va ? C'est quoi ? J'ai essayé de faire une diagonale. Oui, je peux les péter ces merdes, mais pour ça, me fait chier moi. À essayer d'esquiver ça comme un gros moumi que je suis. Like a mummy. Touch for the very first time. Plus ça fait des points. Ok, tout a pété. Il y a tout qui a pété, c'est parfait. Ça va nickel Maza, ouais. Nickel Chromus. Bon, le jeu il est en train de doucement me saler.
mais ça va. Il y a encore suffisamment de fun. Ah, ouais, si, je vais d'abord aller par là. T'as vraiment torché, jet de coucou. Bah ouais, oui. Ah, sinon j'aurais pas changé de jeu, Maza. Après le jeu il est court, hein. C'est pas parce que j'ai pas été super speedy. Ce qui est bien, c'est quand il meurt par contre. Ah non, c'est les explosions qui font péter les... D'accord. C'est les explosions qui font péter les projectiles. Ok. Les explosions font péter les projectiles. Ça c'est bien. Si, mais écoute, on... Ceux qui ont fait le jeu me disaient que c'était plus 10-15 heures. Tu vois, 12h30. L'un dans l'autre, je trouve que je suis pas trop mal. Je peux pas Ah voilà, afficher le menu. Ok, bon moi je sais que je peux le faire. La sortie ou pas? Pas clair. Ouais, t'inquiète, moi aussi j'étais plus ou moins surpris. Merde, putain, c'est tellement pas clair ça des fois. Allez, all is okay. Exactement, all is okay. Nous sommes avec le boss. Trop fort. Non, en vrai, j'ai du bol. Parfait. Ok. No problemo. Je vois rien là, c'est chiant. Voilà. J'y vais un peu à la... Et merde, pourquoi? Ah d'accord, c'est tant qu'il se retourne, il a pas là. Tu
putain de merde. Qu'est-ce que c'est qui m'a touché ? Ah oui, mais c'est parce qu'il y a un connard là. Je vais aller voir à gauche. C'est chaud, putain, ces niveaux, ils sont chauds de ouf. Vraiment. Je comprends pas le délire du bouclier, hein. J'ai pas l'impression d'avoir pris plus de vie, quoi. Putain, merde. Du coup, je perds le... Ça, par contre, aussi, c'est un gros souci. On va en parler rapidement. En fait, il faut que je laisse appuyer sur carré. Une fois après que j'ai le cône de visée, je martèle carré pour envoyer des bombes. Et triangle pour tout faire péter. Voilà, ça c'est un peu le truc de base. Le problème c'est que quand je laisse appuyer sur carré et que je me fais toucher, je perds mon cône de visée. Donc du coup après quand je martèle carré, je les pose au sol. Plutôt que de les envoyer en face de moi. Du coup c'est super chiant. Ah oui, des fois le feu te fait des dégâts, des fois le feu te fait absolument aucun dégât. C'est au bon vouloir. Ah bah, le jeu pouvait pas être parfait non plus, c'est normal, c'est normal. Mais par contre, il est terriblement fun, quoi. Je l'ai eu ou pas ? Par contre, le gros bémol, ça reste vraiment la caméra. Un petit dézoom, quoi. Même pas un violent, mais un petit dézoom, tu vois. Pour avoir une visibilité ultra correcte, enfin juste ce qu'on attend, quoi. Merde, je l'ai pas vu ça. Putain, mais ce jeu me rend fou en vrai. Attends, par contre, je vais regarder un truc. Non, j'ai toujours que 3 points. Je pense que je vais mettre à fond de points sur les boucliers. 5 bombes, c'est... Est-ce que je virerai pas une bombe ? Je pense à utiliser ces trucs aussi. Parce que la plupart, 2, ça les fait péter. La plupart des trucs, 2, ça les tue. Est-ce que je partirais pas plutôt sur du 4 et... Je réfléchis. On partirait pas plutôt, par exemple, sur du 4... Et hop, une augmentation de bouclier. Voilà. Quatre bombes, c'est bien aussi. Ouais, espèce de truc, un faux platformer. Ah, tu vois, tu perds le... Ok.
je vais aller voir là-bas. Yes. Ok. Il y a des super trucs à ce jeu en fait, il est vraiment cool. Oh, c'est vénère ça! Contre le côté platformer, c'est un peu tendu. Ça a l'air super aléatoire. Là, je m'en sors bien, mais j'ai pas l'impression que ce soit véritablement précis. En tout cas, dans cette configuration de caméra. Alors, autant il y a des moments qui sont terriblement frustrants, autant. Il y a des moments qui sont terriblement jouissifs. Tu peux m'offrir un abonnement Twitch? Ah non, toi, offre-moi un abonnement Twitch. Oh, je bosse là. Rack. Rack, tonton Blédos. Ça veut dire ça. Sans déconner, quoi. Salaud. Mais non, mais voilà, mais ça c'est complètement éclaté au sol, ça. D'accord, ça fait longtemps que ça passe. Attends, là-bas il y a quelque chose, non? C'est pas clair. Non, c'est juste pour faire joli. T'es mon cousin, mais je te connais pas, gros. Je ton cousin de quoi? Justement, moi j'ai un zinc. Il rack lui. Il a tout le temps, et en plus, il rack 10 balles. C'est un vrai lui. Mais doute bien que je vais pas t'offrir un abonnement. Ça n'a aucun sens. Offrir un abonnement. Ah si, pour rigoler. Ça va, c'est très jouable. Oh! The boss! Entre de la charcute. Entre de la charcute, il m'a dit. Faut que j'en jure à l'ouf, moi ou quoi? Ouais, j'en mange. Non, la foutre. De ouf. Yo Mazou, comment va? Je suis sur un jeu de ouf. Il est énorme ce jeu. Il est énorme. C'est un bordel sans nom ce jeu, il est magique. Foule en délire, lui lançait des bigorneaux. Pas un truc à ramasser là?
C'est le quoi claquer comme du roseau, ça. On va pas le faire. Il est super bien. Du coup, on a un nouveau membre dans le clan. Ouais, c'est pas trop dégueu, ouais. C'est vraiment pas trop dégueu. On a un nouveau membre dans le clan, le bal des clodos, les coquillettes qui nous a rejoint. Comment ça va être nombreux, hein. Ouais, ça va, écoute, hein, ça avance. Ça avance tranquillou. On va voir les unités machin. 4 points. J'arrive. Ouais, il y a Kings qui va arriver aussi. Tu m'envoies un message sur le PSN quand tu me vois connecté. Ça, si je le vois, je te rajoute aussi, Kings. Bon, attends, je peux remonter la portée. C'est pas un souci, sortir. On va sauvegarder. Genre le matin, c'est pas sûr que je le vois, mais si je le vois, hop, je te rajoute. Le final, tu risques de pleurer. Bon, déjà, apparemment, ça va bugger à la mission 11. Donc, tu viens de mater The Mandalorian, c'est pas mal. Sur quoi? Sur Disney+ là? Ah mais t'as Disney+, toi. Mon salaud. Y'a les Simpsons sur Disney+, ou pas, alors? À la limite... Si on souhaite rejoindre... C'est le bal des clodos, Zentradix. Le bal des clodos. Ciel, mais qui voilà? Notre expert en relations humaines? Angela? Tu n'étais pas censée aider le lieutenant? Ouais, mais elle a été capturée. Je veux bien être sympa, mais il y a des limites. Et ça chauffait un peu trop, alors j'ai filé. Où l'ont-ils emmenée? Oh, ne me dis pas que tu vas essayer de la sauver. Ah, il passait le premier épisode sur C8 ce soir. Sérieux, il passe déjà les épisodes sur C8. Et non. Nous avons besoin d'un officier pour diriger cette opération. Ah bon? D'accord. Ok, beau gosse. Ok, beau gosse. Je vais te dire ce que je sais au sujet de Wendy. Mais d'abord, tu vas me rendre un petit service. Je comprends pas, là. On est en zone de guerre ou pas, là? Que les gens sont aussi en mode, ouais, t'as vu, ça se passe bien. Détendu comme jamais, quoi. Avant qu'elle me dise où Wendy a été enfermée, Angela veut que je détruise les processeurs d'oxygène du quartier résidentiel. Elle a l'intention de profiter de la panique pour s'échapper. Cette fille est vraiment sournoise. Détruisez les processeurs d'oxygène. C'est parti. Voilà, alors cette caméra, elle est parfaite. Là, c'est bon. Cette caméra... C'est exactement la caméra qu'il fallait. C'est bon. Le jeu peut prendre un perfection sur 20, pas de problème. Ah, tu vois, c'est challengey, mais si jamais je me plante, c'est pas frustrant, je vois les trucs arriver et tout ça, c'est vraiment parfait, quoi. Tu vois, je peux tenter des trucs. Ah, tiens, ça s'est bien fait pour mes gueules. Ça, je l'ai pas volé. Oh là là, mon gars, la vitre et tout qui pète. C'est bien, le jeu est goldé. Goldé. Tu peux tout péter, mon gars. C'est mieux que Ghost in the Shell. Doubleuse de Bulma faisait aussi une voix pour un perso, en plus de Patrick Borg. Putain, Son Goku, c'est... Ah mais non, Son Goku adulte, d'accord, je pense à Son Goku enfant, je suis bien, mais c'est une nana, Son Goku enfant. C'est le cordier d'ailleurs, non? C'est une chaîne YouTube ou je sais pas quoi. Moment incroyablement claqué d'ailleurs. Oh, je peux tout péter ou pas? Oh, mais on peut tout péter s'il te plaît. Ah,
aurait mérité un multibon. Youtube, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Silent Bomber du coup. J'ai fini Jet Cocoon, t'étais pas là, t'as pas pu choisir le prochain jeu, t'as pas gagné, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va ou quoi? C'est vénère, moi je kiffe de ouf. Ça va en pleine ouverte la plateforme Disney+. Ah, t'as pris l'abonnement Disney+? Et tu prends pas un abonnement le double? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ces gens qui... Tu préfères Mickey Mouse à le double? Mais t'as un plus ou quoi? C'est le... Si c'est le double plus du coup. Ah, c'est pas le même contenu. Ouais. C'est pas niquer mon business toi, qu'est-ce que tu fais? En train de niquer mon business là-haut, King. Combien la 4? Avec un plus, un jeu offert pour un sub. Le pire, par contre, c'est que j'en, quand je peux, j'en offre des jeux. Il n'y a pas besoin de sub. Heureusement. C'est vrai que c'est un petit moment que j'ai pas... C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas... J'ai plus de jeux à faire gagner. C'est dommage. Oh, y'a tout qui pète! Ah, il est monstrueux ce jeu, quoi! Pas mal, je suis au 4ème épisode. Ah, bah y'a Mazou qui. Y'a Mazou qui a regardé là, le premier épisode là. C'est vrai, je sais pas demandé ce que ça valait d'ailleurs. Le premier épisode de Mandalorian là, c'était cool ou pas. Je sais pas, t'as commis, putain, s'il la respecte pas, moi. Ah yes, un module. Un petit module. J'ai tout pété. Nickel. Ah putain, c'est pas fini. Oh, c'est chaud ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bossu. Il est invincible ce batteur. Oh le con. Mais il perd tellement pas de vie en plus. Ah oui, j'ai pas tant réussi là. Comment je lui fais perdre de la vie là, c'est tellement pas clair. C'est le robot qui avait pris la fuite, ce machin.
Oh le con. Ah putain d'accord. C'est pas clair. Si, il a perdu un peu de vie, mais quand, je sais pas. Attends, peut-être qu'il faut que j'utilise des trucs comme ça aussi, moi. Tu vois ? Je crois que j'ai compris. Regarde. Je fais ça. Faut que j'arrive à aller derrière lui, en fait. Bonne nuit Tango. Des zoubis à demain, ouais. Avec plaisir. Oh. Fine, je comprends pas, putain, c'est un truc de ouf! S'il faut les dégâts, faut que je fasse vachement plus loin en fait. On va essayer. Putain, je suis trop con. Bah oui, putain, il faut juste que je saute dessus. Mais je suis trop armoureux, moi. Comment je me suis fait têche? Si le napalm, ça a l'air pas mal. Ouh, ça me plaît ça. Re-le gage. Non, je me suis pas fait toucher là. Ok, j'ai compris. John McClane. Mais qu'est-ce qu'il fasse, John McClane là? T'as bien, y a aucun conduit d'aération. Mais en fait, c'est super facile. Ah moi ça, c'est complètement débile en fait. Donc, je vous lis juste après. Hein. D'abord, je le mets fût. Ah non, là j'ai fait le con. C'est ma faute, j'ai fait le con. Oh non, 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 fais pas le teubé, putain. Oh, tu le laisses faire. Oh, puis quand tu irais bien à ce moment-là. Et boum!
Et boum, mon gars. Yes. Destroy et Shinji. Attends, faut pas m'aider après. L'aide du chat n'est pas activée. Sois pas si pressé. Commence par sortir d'ici. Sa relation à la force est puissante, d'accord. D'accord. En gros, ils essaient de choper un mini Yoda, c'est ça le délire du... C'est ça le délire du... de la série. Ok. Putain, il est nerveux ce jeu. J'aime bien. Mais alors il est nerveux. Oh, je fais que des rendez. Je fais que des notes pourries. Je fais que des notes pourries, quoi. Je suis dégoûté. Ça commence comme ça, d'accord. Alors, 4-4. Réponse D, mais de ouf. Le cancre. Ça va. Franchement, je vous invite à le télécharger, à le tester. C'est propre. C'est vraiment un bon délire. Hein. Bien nerveux, bien fun. Combien il a pris dans les canards ce jeu à l'époque? Combien il a mangé? C'est bien de se... En fait, c'est bien de regarder un petit peu combien il a mangé pour se faire des comparaisons et tout. Sachant que Jet Cocoon, il avait pris 17 ou 18, je sais plus. Peut-être un petit peu beaucoup. Moi, j'aurais mis un 12 et un 12-13. Comme le temps que j'ai eu pour le finir. 12-13 heures. Mais un 12-13 mérité. C'est pas un mauvais 12-13, un bon 12-13. Alors lui il ressemble à rien, par contre les mecs autour sont magnifiques. 16 sur 20. On regardera à la fin. Ou à la fin du stream. On regardera tout à l'heure. L'itinéraire que m'a indiqué Angela pour rejoindre le centre de détention n'est pas vraiment une croisière de plaisance. En plus j'ai de la compagnie. Détruisez toutes les unités ennemies. C'est parti. Ah voilà. Le fameux niveau soit de l'ascenseur, soit de... Voilà. C'est à peu près le même truc. Un grand classique. T'es confiné dans un endroit et faut fighter tel l'homme. Allez, c'est parti. On sera pas les esclaves dans ce millénium. On sera pas les esclaves dans ce millénium. Yes, yes, yes. Comme de... Ouais, t'as le boss de PSO ici, ouais. T'as un boss de PSO dans ce genre de truc. T'as bien vu. Yes. Oh non. Je prends mon explosion. Waouh, les effets. Franchement, c'est... Je suis agréablement surpris pour l'instant. Malgré le fait que je me fasse un peu dérouiller. Ça va. J'ai un truc. Je peux l'arnaquer ou pas? Non, par contre, ce truc qui passe à travers les murs, on va éviter, c'est pas mal. Suis-moi, ok. Merci, shérif Duncan Flynn, merci infiniment. Mon cher shérif, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi, bonjour, bonsoir. Et évidemment, suis-moi, c'est très important. Ce niveau t'as laissé un mauvais souvenir? Comment je le touche ce con, c'est pas clair. Ah d'accord, oui je l'ai touché. Ok, ça touche. C'est pas évident au premier abord à voir, mais ça touche. Ce serait peut-être plus malin de le poser au sol. Ça, autant lui ça passe à travers, mais moi aussi. Non. Oh, oh oui! Parce que je t'ai mis quoi!
Wow, ça va être chaud ça. Je perds de la vue bêtement. Il est là. Ah, je peux faire un petit mixou en vrai. Ah putain, je prends des dégâts nuls. Ce con est là. Ouah, c'est chaud de ouf. Ok. Suivant. Ok. Ah putain, c'est pas fini. Ah non, ce serait trop beau. Ce serait trop pour être vrai. ça, je suis désolé, mais j'adore ça. Ils sautent, ils se font démonter quoi. Yo Cobalt, comment. Même si je dis oh là là, je suis pas bien moi, je dis bonjour 15 fois. Ah non, c'est pas beau. Ça c'était pas beau ce qui vient de se passer. Omega Boost, non, ça me dit rien. Merde, j'avais pas besoin. Oh, c'était signé quoi. Je kiffe de ouf. Et là, je suis là. Ah, bien joué. T'es mort ou pas? Ok. C'était pas clair. Désolé, c'était vraiment pas clair. Pour moi, t'étais mi-mort. C'est bien Omega Boost ou quoi? Bah, si tu gagnes, tu me feras jouer à Omega Boost. Pour le coup. J'adore ce jeu. Très 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 bonne découverte. Et moins que j'aime. Parfait. Wow, ça c'est vraiment débile. Oh non. Oh non, enfin, je sais pas. Je dis oh non, mais en fait j'en sais rien. Ah putain, non, si, oh non, on refait ça. Je comprends, Pripyat, pourquoi t'as pas kiffé le ouf. Oh, puis la caméra comme ça, c'est pas sport. Oh, c'est quoi ça? Oh, ce que j'ai mis. Ah non, c'est pas beau. Ça me plaît pas. Putain la vache. Oh mais ça dure longtemps en plus. La merde. Cassez-vous.
Attends, si je fais ça. Ok. Franchement, ça par contre, ça va être chaud. Non, j'avais fait une esquive de ouf. T'as pas le droit de me faire ça, c'est pas les bronzés fous du ski. Yes. Foiré. Oh oui. Putain, j'arrive pas à les viser, ça rend ouf. Je suis dégoûté. Ok. Alors non, je comprends, monsieur Pripyat. Généralement, le truc, c'est que j'arrive pas à les viser. Ah, peut-être faut que je saute. Non, tu peux pas me faire ça, je ne vais pas toucher ce fils d'homme, c'est sûr. Putain, mais qui me touche, sans déconner, quoi. Ah oh, putain, j'avais presque réussi à mongoliser la bombe. Putain, mais je prends des dégâts tout nuls, ça rend fou ça. C'est mort. C'est mort. J'arrive pas à le viser, j'arrive pas à les viser. J'arrive pas à les viser. Là je l'ai touché mais ça l'a pas visé en vrai. Wouah, c'est chaud. Est-ce que ça va finir comme ça? Bien reçu, j'y retourne. J'arrive pas à les viser. Alors je sais pas si c'est ma faute, genre c'est un problème de... Ça ce qui est cool c'est quand on prend au boss par contre, ça c'est vraiment sympa. De perspective, parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont à ma hauteur. Voilà, là je l'ai visé. Voilà, je l'ai pas visé mais j'ai quand même réussi à le toucher. Donc ok. Mais après, c'est pas clair. Oh, j'ai réussi à les faire péter. Ah, il y a peut-être moyen d'arnaquer 2-3 trucs quand même. Ah là j'ai pas eu. Ça c'est pas clair. C'est pas clair du tout. C'est vraiment dommage. C'est vraiment pas clair quoi. C'est dommage. Je trouve que...
Ah, peut-être parce que mon cône de visée est pas assez loin, peut-être, je sais pas. Ah non, regarde, là, je fais aucun sens. Voilà, là, je touche pas. On sait pas pourquoi. Non, mais ça, c'est des dégâts que je dois pas prendre, ça, c'est ouf. On m'explique là à quel moment je me suis touché. Celui-là, d'accord. Celui-là de missile, je l'ai pris en plein. Mais il y en a certains, je comprends pas comment je les prends. Là, je touche. C'est pas clair, putain, je vous jure. Vraiment, ça, je déteste ça. Là, je touche pas. Pourtant, j'ai fait exactement pareil. Hein. J'ai pas sauté, je dis c'est bon, je saute pas. Oh, les mecs, putain! C'est pas clair, putain, vraiment. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Le cône, alors des fois le cône de visée chope les mecs et je peux leur mettre des bombes, et des fois pas du tout. Tu retournes, pardon. On va se mettre à 4 bombes. Et Et comme ça, je pense peut-être que mon cône est trop petit. Je pense, hein. S'il faut absolument pas. Cible repérée. Putain, mais vise trop bien ça aussi, ça me gonfle. Putain. Sa grand-mère la rassera quoi. Putain, tout court quoi. C'est tout court sa grand-mère. Mais genre, t'en fous combien des bombes comme ça pour qu'on me casse les plus les couilles quoi. Mais non, y'a pas de touche. Ta race. Voilà. Bon, sauter apparemment ça aide. Là je fais des points. Ah putain. Putain, c'est chaud. C'est chaud la con de ta race. Oh je sais pas si j'ai touché mais c'était magique.
Allez, on est à moite-moite. Ok, on enchaîne. Oh, j'ai cru que j'allais me prendre le missile comme un teubé. Merde, j'ai pris ma bombe. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu du bol là. Là j'ai eu beaucoup de chance. Enfin. Ok. Je fais des sauts de merde, ça passe. Oh, je sais pas comment je l'ai touché, mais je l'ai touché. Putain, c'est chaud de les toucher de ouf. Oh, je suis allé dessus, mais je suis vraiment un con. Mais ma vie, elle est merdique. Oh, il en reste deux. Oh, je vais me faire toucher. Non, je suis trop un con, sans déconner, quoi. Bonne nuit Maza, pardon. Je suis trop concentré là, je suis désolé. Trop concentré. Putain, mais si seulement c'était un tout petit, un poil plus... Putain, je l'avais. Allez, encore. Allez, encore. Je pense que je vais mourir. Oui! Oh la vache! Et une foule en délire! Je vais lancer les bigorneaux. Oh, c'est une chaude ouf! Genre un. Quel anglicisme! Ah oui! Oui! Oh, ça, c'est beau! Ça, c'est beau. Mec. Je me relâche, oh, je suis ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Oui. Il pleut des questions. Bonjour, bonjour. J'ai mis... Splendid. Oh, ok, ça a l'air bon. Ça, c'est tout. Yes!
restez calme. Ça, c'était putain de épique, pas de problème. Continuez à traquer la cible. C'est presque à la fin du jeu, je m'attendrais. Déjà, il y a soi-disant un... Déjà, il y a un... Ah ouais, mais c'était censé être un truc Metal Gear, c'est sûr, maintenant. Nous l'aurons la prochaine fois. Metal Gear. C'est Solidus, ouais. Vous le sentez, ouais. Encore un dé. Ce jeu va prendre dé sur 20. C'est sûr, on va prendre un putain de dé sur 20, quoi. Je suis trop nul. C'est un truc de ouf, quoi. Et pourtant, je me donne. Hein. Je me donne, tu peux y aller. Ouais. Il y a au moins 11 niveaux, hein, donc je suis pas à la fin du jeu. Mais par contre, c'est cool. C'est très cool. Ah, mais je suis à la mission 9 déjà ! Oh la vache ! Ah oui, ça passe vite, effectivement. Ouais. L'installation dans laquelle Wendy est prisonnière est truffée de systèmes de sécurité et de robots gardiens. Il risque d'être aussi difficile pour moi d'entrer là-dedans que pour un prisonnier de s'en échapper. Sauver Wendy, évidemment. Le centre de détention. Ouais. Ouais, j'aime bien le jeu. Ouais. J'aime bien le jeu. Oh oui, mais ça c'est Metal Gear, ça. C'est Metal Gear, ça, les mecs. Non mais, hé. Cet endroit. On va récupérer le PSG1, n'oubliez jamais. On va récupérer le PSG1, les mecs. C'est sûr. C'était sûr, j'avais pété la gueule. Je l'aime pas beaucoup. Hop là, tu m'as pas eu. Et là, il y a que dalle. Un petit module. À perdre moins de vie. Je perds 30% de moins de vie. Là, évidemment, là c'est moins clair, et là il y a que dalle. Ah, mais si, il y a ça, ok. Oh, it's all okay. It's all okay. Hop là, un petit module, très bien. Ensuite, la boum. J'appuie sur rond, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe et j'ai appuyé sur rond. Cool. Putain, des modules. Non, ce qu'il y a de bien par contre, c'est que il y a un peu de tout. Là, on est sur. Voilà, on cherche, on tâtonne. Thank you.
littéralement de la merde. On est sur de l'explo, on est sur des trucs ultra vénères, limite un espèce de shmup inversé. Alors par contre, seul truc qui est dommage, c'est laisser appuyer sur carré pour ouvrir un cône de visée, etc. Je trouve ça très 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 bof. Il aurait fallu laisser appuyer sur R1 ou L1 pour ouvrir un cône de visée. Et appuyer sur carré pour tirer. Donc quand je laisse appuyer sur R1 ou L1, quand je laisse appuyer sur R1 ou L1, ben je vise, carré je tire, et si je laisse pas appuyer sur R1 ou L1, carré je pose l'objet, je pose la bombe. C'est mieux que de laisser appuyer sur la touche. Ça vraiment. Oh, mais t'as combien de vie toi? Sans déconner quoi. Je suis pas habitué. Non, à choisir. Voilà, plutôt de la vie. Plutôt de la vie. J'imagine qu'il y a des armes mieux que ça pour l'affronter. Merde. Ah putain. Ça c'est chiant aussi, ouais. Il y a quand même quelques trucs qui vont pas donc. Attention. Oh, comment j'ai perdu de la vie aussi là. Oh yes. Sauvé par le gong. Les sons, c'est pas ultra cool. Vraiment. Il manque un truc dans les sons. Je peux pas vraiment gérer mon saut, tu vois. Je peux aller vers là où je regarde, mais après, c'est un peu de la merde. C'est un peu claqué, quoi. Star Wars. Putain, je fais merde, je connais ce bruit, c'est Star Wars. Écoutez. Alors, pas que, il y a plein de jeux comme ça. Donc sont plutôt utilisés de manière. Je m'en foutis, c'est-à-dire vas-y on en met quoi. Plus il y en a, mieux c'est. Fade to Black aussi, ouais. Wendy. Ça pique, Fade to Black. Allez, un peu de nerf. Il était vachement bien après Fade to Black, attention. Il était vraiment, vraiment bien. Enfin, moi, j'ai aimé le faire, même si c'était dur, il y avait quelques trucs. Incroyable. Bah, t'es pas non plus complètement crevé. La dernière personne que je m'attendais à voir venir me sauver. Notre mission ne pourra pas aboutir sans officier pour nous commander. J'ai fait ça dans l'intérêt de la mission. Bah tiens. Un officier? Tu plaisantes. Tu ferais mieux de t'en trouver un autre. Je me suis fait capturer comme une débutante. Tu parles d'un leader. Je laisse tomber. Il y a 7 ans, au cours de ma première mission, on m'a ordonné de tuer des innocents, et j'ai obéi. Des vieillards, des femmes, des enfants. C'est Running Man, ça. T'as piqué le pitch de Running Man. Aussi ce jour-là.
Il ne reste plus de moi que ce qui se tient devant toi, une machine à tuer. Mais tu n'es pas comme moi, Wendy. Je peux le sentir. Je n'ai plus la volonté d'aimer ou de m'attacher à quelque chose. Mais toi, tu as encore de l'espoir. Sois mon âme. Ordonne-moi de me battre pour ce en quoi tu crois, et je le ferai. Ouais. Elle a changé de couleur. Sloan. C'est vraiment un nom des années 90-2000, ça. Sloan. Je propose qu'on reste une minute trente sur cet écran. Pour qu'on n'oublie jamais que j'ai fait un rambé. Oh putain. Ah, il m'en faut peu, moi. Attends. Voilà. Un B-bug. Non, c'est pas un bug. J'ai bien joué. C'était un peu puzzle, du coup j'étais un peu moins perdu. Attends, je re-sauvegarde, je suis pas sûr. Mission 10. J'ai fait 10 missions. Là on va à la mission 10. Je crois que j'ai fait le tuto aussi, qui était une espèce de mission 0. Donc oui, on peut dire mission, j'en ai fait 10. Guidé par Wendy, j'ai découvert un énorme complexe de recherche. Des armes biologiques effrayantes sont en train d'être élaborées dans ces laboratoires. Détruisez toutes les armes biologiques du complexe de recherche. Tu vas t'attaquer au centre de développement d'armes biologiques. Ok, je détruirai les armes biologiques et les cubes de croissance. Ah, Resident Evil. Double Zero. Attention, je détecte des signatures biologiques à proximité. Allez, vas-y, envoie le bousin. Cette créature a dû s'échapper de sa cuve de croissance. Ça ressemble de plus en plus à Phantasy Star Online. Oh, c'est marrant! Ah, je peux plus le viser par contre. Il sert à rien ou quoi? C'est quoi le. Mais je comprends pas, il a bugué Jean-Francis ou quoi? Oh, ce qu'il m'a mis! Ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment tout faire péter bêtement. En mode OSEF quoi. Voilà, tout ça, j'ai fait péter, voilà, très bien. Allez, enchaîne. Cible 0. Des métroïdes! Ça c'est chiant. Ça c'est chiant, honnêtement. Oh le con, lui ça passe quoi. Le bâtard. Oh, mais... l'éjection que je prends de ouf. Il m'envoie juste un petit crachat. Ah moi cette éjection de mongol. Je prends une éjection de mongol. Mine de rien, wow.
Ouais, pas de... Ouais, un petit peu, on va essayer. Attends, t'as raison. T'as vraiment la déjection que je prends. Ok, terminé. Certaines perspectives sont pas spécialement claires, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Et voilà. Voilà un jeu à faire pour mes étudiants, voilà. Un jeu un petit peu groovy. Alors unité, 3 points et 8 pour augmenter la défense. Oh, je suis bien à défense 50%, non, c'est bien. Allez, 2-2. Ah, j'aime bien ce jeu, ça détend. Vite, c'est mon frangin qu'il faudrait que je le montre aussi. Il est un peu énervé de temps en temps. Je fais tiens, joue à ça. Va voir, ça fait du bien. Il faut bien faire passer le crône et ensuite on peut tourner autour tranquillement. Il y a vraiment des belles choses. Non. Un putain de mur. Yes it is. On lui mettra un pas silent sur 20, je pense plus. Silent Bomber, pas Silent, parce que on est d'accord que là on n'est pas sur des sur de l'infiltration. Pas trop sur de l'infiltration quoi. Ok. Yes. Yes mon gars. Ouais, je commence à pas être dégueu en vrai. Ouais, on fait tout péter.
extrêmement mal son nom. Ça, c'est pas sûr. C'est bon? Oh, énorme! Énorme! Tu le sens le rambé ou pas? Est-ce que tu le sens le rambé? Je sais pas ce que c'est. Ah, module donné 6. D'accord, il doit y avoir des trucs dedans. J'aurais peut-être dû regarder. Putain, j'arrive pas à le viser, lui. Voilà, merci. Voilà, et maintenant, je peux le retourner autour comme des sbires. Je trouve que je suis pas mal. On est bon ? J'ai apparemment éliminé toutes les armes biologiques. Eh bien, un petit boss biologique. Voilà. Vraiment un boss biologique. Ok, full life. Et full machin. C'est parti! Oh le bordel! Oh le bordel, putain! Plus que 15 minutes, ah oui, avant ton anniversaire. Oh le bordel, oh le bordel! Oh le bordel de ouf! Oh le bordel de ouf! Oh, j'allais dire je vais gagner sans trop forcer, mais en fait rien n'est moins sûr quoi. Oh c'était chaud. Enfin c'était mi-chaud, je sais pas comment expliquer, mais c'était mi-chaud. Ça fait plaisir de te voir. Ils ont mis Gargoyles, j'avais le skin gratte le menton. Ah, putain, Gargoyles, c'était bien ça. Ça te rappelle le bon vieux temps à Tarakan? Ah, ouais, à l'époque, putain, on savait ça, encore oui, massacrer oui, oui. Les gens avec style. Il était bien ce dessin animé, ouais. Oh, la partie n'a pas encore commencé, mais bref. Je suis sûr que tu découvriras bientôt que le fléau te réserve encore des surprises.
J'ai fini ou pas? C'est pas clair. Tu discutais avec qui? Je me dirige vers le pont. Ouvre-moi cette porte. Ok. Y a rien d'autre. On va défoncer une araignée, quoi. J'ai démonté une araignée, c'était magique. Oh oui! Allez, viens voir. J'ai écouté, putain! Putain, je pensais avoir bien joué, rendez, quoi. Ah, c'est la santé sur le boss, peut-être. Oh, je pensais avoir bien joué, moi, en vrai. Je t'en foutrais des chats, toi. C'est même pas l'écrire, en plus. Ah! Oh là. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ah si, je suis venu ici pour souffrir, par contre, ça c'est à peu près sûr, c'est à peu près certain. C'est un des rares trucs où on est à peu près sûr. Je vais en banner ou deux là, Ah, c'est de la merde, j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est pas clair. Donc là, ça peut bugger, attention. Je viens de perdre 25 ans. Il y a Tic et Tac, Mister Mask et tout. Ouah, c'est chaud. Putain, tu me donnes envie de prendre Disney+, là. J'en peux plus. Oh, Tic et Tac, Mister Mask. Tout en français, là, Kings, ou pas? Oh là là, tu fais chier. J'ai pas de sous. On peut le télécharger sur Xbox One ou pas? Mais ce n'est plus le gratos pendant le Covid. D'accord, bon, mais je vais le prendre, là. Je vais le prendre, je vais voir si mon fils veut paradin de ces trucs-là, parce que j'en peux plus de Macha et Mishka, les mecs. J'ai enfin atteint le cœur du fléau, mon objectif, et le pont situé au sommet de cet ascenseur. Gratos 7 jours, d'accord. Une fois le pont détruit, le fléau devrait devenir impossible à contrôler, anéantir le pont. Du coup, c'est téléchargeable sur Xbox One ou pas? Tu veux un peu de musique pour patienter? Oh non, encore un truc d'ascenseur. J'aime banane ou deux là. Ah, c'est claquant. Non, putain, non. Non. Non, les mecs, non. J'en banne un ou deux là. Putain, je peux viser personne. Ah bah je le mettrai tout à l'heure là. Là dès que je finis le stream, je l'installe. Je mets un petit mot à ma femme parce que c'est avant moi évidemment. Je vais lui dire. Mets ça à Sam plutôt que putain de Macha et Mishka. Oh là là, ça me rend fou. C'est nul ça, putain, comme combat. On comprend rien quoi. La caméra elle me pisse à la gueule quoi. C'est que des fois j'entends des bips, je pense que c'est pour ma gueule, mais en fait c'est eux qui... Arrêtez de biper, je m'en bats les couilles moi, que vous m'ayez loqué. En fait faut que je reste... Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Fuck! Pourquoi TG? Où TG? Même pas l'un ou deux là! Allez, nickel! Ah,
Allez, j'ai perdu la moitié de ma vie, je suis un chmoum. Mais vas-y, on voit. Oh non. Ah, j'en peux plus de ce jeu. Il respecte pas, ce bâtard. Fasse ça. Putain, mais les tirs anarchiques, ça marche trop bien. Oh non. Oh, ça va me rendre ouf ça, mais... Allez, un moment. Faka mother virgule you suck right R-I-G-H-T Rikt. Qu'est-ce qui se passe? À gauche. Ils ont repris le contrôle de l'ascenseur. Quoi qu'en vrac, j'en peux. Oh là là, mais j'en peux plus non plus là. Attends, tu me fais rêver là, mais je veux pas. Je vais être obligé de regarder tout ça. Tu te rends pas compte, toi. J'ai un bon un ou deux là. Fermez, ok. Allez, salut, bande de chmoum. C'est chaud. Oh non, mais pitié. Mais ils sont claqués nuls, ces ennemis, quoi. C'est incompréhensible. Pourquoi des fois tu les touches, fois tu les touches pas? Ça n'a aucun sens. Oh mais ça craint de ouf. Allez, putain, visant un, là, que je mette toutes mes bombes dans sa gueule. Putain, voilà. Ouais, j'en mets même pas la moitié, aussi. Oh, j'en ai mis un, j'en ai mis une. Je sais pas pourquoi, des fois, ça le fait. Canard de l'export. Ah.
Non, Taras. Taras Bulba. Est-ce que ça va finir comme ça? Ah, on sait rien. On reprend d'où? Bien reçu. J'y retourne. On reprend d'où? J'ai trouvé un moyen d'accéder au système de l'ascenseur menant au pont. Oh putain, on reprend de là. De musique pour patienter. Oh, c'est chaud. Oh, ça va être chaud, ça. Ça, c'est pour demain après-midi, pour bien m'énerver, ça. On va essayer 9 mètres, c'est, je trouve, mais c'est, en fait c'est... Je trouve ça plus incompréhensible, le cône de visée, c'est pas clair. Parce que des fois même s'il est trop haut, voilà, j'arrive quand même à le viser. Yes. Va aux toilettes, va, de toute façon moi je vais... Bientôt l'heure. Ah, des fois j'arrive à les toucher là comme ça. Alors que... Ah, c'est peut-être les 9 mètres du coup. Donc ouais, en fait le cône divisé, je pense qu'il sert à rien. Je pense que le cône de visée, il sert à rien. Juste pour te dire à peu près jusqu'où tu peux viser. Ah, tu as vu là, ça m'a mis un mec que j'ai même pas visé, c'est très bizarre. C'est moi qui dois les harceler là, dès qu'ils apparaissent. Donc, du coup, j'ai perdu moins, j'ai l'impression. C'est pas sûr, mais j'ai l'impression d'avoir perdu moins. Putain, ça change tout en fait. Hein. Ne serait-ce qu'un mètre, ça change tout de ouf. Oui, j'arrive même là à les toucher pour quand ils font ça. C'est pas abusé. Oh oui, j'ai rien à foutre de leur truc. Je dirais qu'il fasse trop chier le truc. Il ouvre ce golemon. Ok. Oui. Ah oui, attends. Il n'y a pas photo en termes de vie perdue. Ouais, en fait, eux, il faut absolument que je module mes modules, justement, qui portent bien leur nom, du coup, de sorte d'avoir... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, la caméra elle est pas comme tout à l'heure. Oh, c'est énorme. Une minute, je vais essayer d'arranger ça. Ah, d'accord. Oh, il se passe un truc. Pas posé. Oh, c'est chaud de ouf. Yes. Mais non, mais putain, pire pas de la vie bêtement, ça rend ouf ça. Ça rend ouf, quelle tristesse les mecs. Ah, il peut se passer un truc. Il peut. Ça veut pas dire qu'il va. Ça veut juste dire qu'il peut. Calmons-nous les mecs.
Ouais, si j'arrive à les péter avant qu'ils m'attaquent, je suis assez tranquille. Hein. Ah merde! Belle vue sur la terre. Ah ouais, j'avais pas vu. Nice, ouais. Effectivement, c'est rigolo. Okay. Merci Philippitus, merci infiniment pour le follow. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à toi, évidemment, suis-moi, c'est important, tu vas voir. Non, c'est pas vrai, en vrai, c'est pas important du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas important pour toi. J'ai perdu de la vie, c'est pas bon. Non, putain, voilà un dégât que j'aurais pas dû prendre. Vraiment. Je fais de la merde, j'en peux plus moi. Non, c'est quoi ce délire? J'arrive pas à le viser. C'est bon. Tu veux avoir une merde sur des jeux PS1, c'est important. Ça va, tu... T'es tranquille, toi, non, Nocti? Que les gens qui me connaissent pas, ils vont croire que ils vont pas sentir l'humour des fois. Pardon, colonel. Ah joyeux anniversaire, ton tombé d'ose, du coup. 15 ans. Branleur. C'est beau. Tous les hommes sont morts. Je ne sais pas qui tu es et je n'en ai rien à faire. Ouais, je vais me faire défoncer. Bah moi, tu as gagné toute mon estime, personnellement, c'est tout ce que je peux t'offrir. Prévois avec les gens si les gens ils veulent t'offrir un abonnement. Merde. D'accord, j'ai compris. Je serai pas à la fin là, non, ce matin là. Je ne sais pas. En tout cas, je me fais défoncer. Je me suis fait défoncer. Est-ce que ça va finir? En tout cas, ça a pas bugué. Ça a pas bugué le truc du boss. Bien reçu. J'y retourne. C'est minuit 5, j'ai pas tard d'arrêter quand même. On va essayer de fumer le boss. Oh, je fais de la merde, j'en peux plus de moi. Raté, putain! Oh, c'est mignon, Bob. Alors, attends, du coup, par contre, à ce moment-là. On va faire comme ça, ouais. Il y a un jour qu'on s'est épuisé. Voilà. Ah, il y a du dégât. Oh, je prends du dégât aussi.
va le faire. Ça va le faire. J'y crois à mort. En même temps, j'ai pas le choix, les mecs. De toute façon, si j'y crois pas, je suis foutu. Ah oui! Belle châtaigne, j'aurais pu en mettre plus. Dommage que j'ai pas des bombes qui me remettent des PV, tu vois. Ça, ça m'aurait détendu un peu plus. Non. Tu te rends compte que t'es un sac à merde? Non, pourquoi tu penses que t'es un sac à merde? Faut juste faire attention avec qui tu fais des vannes, quoi. C'est un grand classique. Oh, ce, par contre, il est champ max, le boss. Il est champ max. Ouais, ça se dit plus depuis très longtemps. Moi, j'aime bien. Oh, je me fais démonter. Mais de ouf. Ouais, je me lasse rien du tout, moi j'en ai rien à foutre. Oh, je fais de la merde. Oh, je fais de la merde, ça me rend fou. Est-ce que ça va finir comme ça? Mais non, ça finit pas comme ça. Pourquoi ils tombent? C'est quoi ce délire des gens qui chutent? Utiliser leur propre attaque contre eux, ça j'avais compris. Du coup, je vais te prendre un octogone, ouais. Bien reçu, j'y retourne. Me fermez là, par pitié. Je vais en ban un ou deux, ou je sais pas quoi, là. Je vais en ban un ou deux, là. Je vais en ban un ou deux, là. Je peux pas en mettre plus. Tu me diras. Merci à tous, la foudre. I did not understand. Allez, concentré. Il faut que j'esquive l'attaque. Me vénère ce boss. En fait, c'est plutôt les cônes de vie, la visée qui me rend fou, en fait. Boum. Ça me voit, sinon tu peux lui faire très mal, quoi. Tu peux te mettre bien. Mais il faut arriver à le toucher. Je trouve que la visée est un peu... Voilà. Pourquoi là je l'ai pas eu, par exemple? J'ai... Tout à l'heure il est rentré dans mon cône de visée mais pas là. C'est très bizarre. Donc je vais essayer de concentrer et tu vois là j'ai fait ça, normalement il était dans le cône. Ça marche pas. Yosed, comment on va? Bonjour, bonsoir. Hey, where are you my friend? Je prends des dommages nuls en attendant. Ok, il se remet là, pourquoi pas. C'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Voilà, là c'est pas. Là c'est clair. Là c'est clair. Tu sais, quand je lui en mets 6 en plus, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Oh putain. Ah putain, pourquoi je prends des dégâts? Ça rend ouf! Oh, je perds tellement de vie! Mais je perds tellement de vie, sans déconner quoi! J'y retourne. C'est quoi ce boss de merde? Sans déconner, pitié quoi. Six bombes c'est bien. Cinq bombes c'est bien, voilà. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Oh, ça me rend ouf, hein, vraiment. Je suis dégueu.
forcément je fais moins de dégâts avec 4 bombes, mais j'en prendrai moins aussi. Ah ouais, j'en fais beaucoup moins de dégâts. Même s'il vaut mieux pas que j'en fasse. Oh, mais ça c'est un dégât de merde, sans déconner quoi, pitié. Oh, pitié. Ça va, le coup de faire des déplacements, ça va vraiment... Ouais, c'est maintenant qu'il faut pas faire. Ok. C'est quoi? Je vais faire des carrés. Si jamais de temps en temps je peux toucher un truc, ah bah je toucherai un truc. Voilà. Technique moldave. C'est une technique que m'a enseigné un vieil. Oh genre je me suis fait toucher. Mais non, mais non, mais non! J'y crois moyen. J'y crois moyen. J'y crois moyen. Non, il lui reste un PV le bâtard. C'est un truc d'enculé ça. Ouh oui. Duffman, Duffman, ouais. Une foule en délire lui lançait les bigorneaux. Ouf, eh ben, il ressemble à Jabba le Hutt. Allez, nickel. Quoi, bug ou pas? Non, le bug apparemment c'était au boss. Mais c'est bon, je l'ai fait le boss, donc il n'y a pas eu bug. Oh. Allez, sauvegarde. Et on continuera demain. Allô? Ah non! Ah non, non, non! Alors non. C'est à ce moment-là le bug.
Bon. Bah on reprend demain, on réessaye demain. Je testais un truc. Bon. Ouais, safe state pour raison technique, mais je sais pas. Je sais pas. Il reste quoi après là? C'était le dernier, c'est le boss de fin, non? Ça continue après. Ça continue après. Ouais. Bon, on va mettre ça en pause, on verra demain, on reprend. C'est pas clair. Trois niveaux encore. Ah oui, non, c'est pas fini. Ok, bon ben on va. On essaiera de gérer ça demain. On essaiera de gérer ça demain, tout simplement. L'après-midi, on refera ce niveau-là, plus les autres. Putain, c'est dommage, j'avais bien géré, quoi. J'avais bien géré. Qui est-ce qu'on va aller embêter, du coup? Qui est-ce qu'on va aller embêter, les mecs? Qui c'est que c'est, ça vous ferait plaisir d'aller embêter qui? Dites-moi tout. Faites-moi rêver, dites-moi tout. Qui fait des trucs cool? Y a des gens que vous aimez bien ou pas? Tu vas poncer Gargoyles, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais pas de. Pas d'idée de host, rien du tout. Putain, mec, faites chier. Faites chier, quoi. J'espère que ça va pas niquer la sauvegarde, surtout. Il y a Copain du Web qui, je sais pas si c'est. Copain du Web? C'est quoi ce nom? Je connais pas ce nom. C'est un mec qui s'appelle Copain du Web. Punky. Voir copier. Voler. Je vois quoi, Punky. Il y a 7 ans, j'ai perdu mon âme sur un champ de bataille. Je sais pas qui c'est. Le jeu a l'air complètement claqué. Comment tu écris copain victime, c'est un peu de moi qui copain du web. Copier. Je n'ai plus rien d'un homme à présent. Je suis devenu une machine à tuer. Copain du web. C'est bien ça, copain du web. C'est la ville à vrai. Ok, bon, bah, allez, on va au Copain du Web. Copain du Web, c'est mieux. Bah, les gens, je vous remercie. On verra demain si ce sera pas trop la galère pour finir ce jeu absolument incroyable. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain après-midi à 14h du coup. Soyez sages, c'est important. Et j'espère que demain on va réussir à gérer cette merde. Zoubi! Folie. Soyez heureux.